Voici Louis Hébert. L'origine de Louis Hébert est assez simple. C'est seulement Nicole Hébert et Jacqueline Pajot, plus un lit, qui a recréé un enfant en 1575. Né en France d'une famille apothicaire, Louis Hébert est lui aussi devenu apothicaire. En 1564, Louis Hébert se maria avec Marie Rollet. Louis Hébert parta en 1606 à Port-Royal. Le premier truc qu'il faisait fut un jardin. Il accompagna également Pierre Dugas-Dumont. Dumont l'engagea surtout pour cartographier des endroits, ainsi pouvant trouver de meilleures terres pour y installer une colonie. Il retourne ensuite en France. Plusieurs années passent et en 1617, il retourne en Amérique du Nord avec de Champlain et s'y installe définitivement, apportant aussi sa femme et ses enfants. Louis Hébert devenant ainsi principalement agriculteur et permis de nourrir plusieurs personnes sur le bord de la famine. Aujourd'hui, la seule chose nous restante de Louis Hébert est une statue et la musique des Cowboys Fringants.